sommes ici donc sur le site des Arresqués et autour de la paillote le spot. Il y a à Frontières. Donc il y a 3 ans de ça, nous avons décidé d'organiser des tournois de beach tennis. Nous avons commencé par un petit tournoi, ensuite nous avons bien développé et nous sommes aujourd'hui arrivés à un tournoi qui est très très important au niveau de la participation des étrangers. On a fait 4 tournois ITF par le passé. L'année dernière, pour des raisons de date, on a fait un 0. Et les années précédentes, c'était des 2005. On a quand même réussi à réunir les meilleurs Français, les meilleurs Européens et puis quelques internationaux. On a vu qu'il y a des Russes qui sont venus en nombre, Mexicains, Japonais, etc. Ça, c'est formidable. Voilà notre plus grosse fierté. Ça, c'est formidable, oui. Déjà, on a pas mal de touristes ici. Ce qui est intéressant, c'est que ça amène une animation sur les plages. Donc, ça permet de faire découvrir donc, le beach à d'autres personnes. Et au niveau de la ville de Frontières et de tout le pourtour un petit peu des environs, on a fait pas mal de publicité. On a fait un petit peu appel aux médias pour nous soutenir et pour promouvoir cet événement. Donc, entre les locaux et on espère les touristes, on devrait réunir beaucoup de monde ce week-end. La sportivité de ces jeunes et de ces joueurs, il n'y a aucune contestation. Je vois une confiance totale dans les points. Ça me ravit de voir cette sportivité des joueurs. En étant en fait, au bord du terrain, on partage quelque chose avec les joueurs et c'est ce que j'essaye en fait, de montrer dans mes photographies. Ça peut vite dépasser les 500 voire 600 par jour. Je pense que si nous avons les moyens logistiques, si nous avons des partenaires qui nous soutiennent et qui nous suivent, je pense que l'année prochaine on peut aller au-delà, c'est-à-dire $10,000, je pense que c'est envisageable. Au niveau de l'organisation, je pense qu'on est au top, on a les volontaires, on a les bénévoles, je pense que c'est jouable. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir au moins un événement majeur sur la côte méditerranéenne, ce qu'il n'y a pas aujourd'hui encore. Ouais, des événements majeurs comme à Royan, mais sur la Méditerranée, ça serait intéressant pour nous deux. Thank you.